Ce premier épisode du rendez-vous des jeunes, dénommé Moulébi, signifie en langue Pounou du Gabon, le corps de garde, vise donc à construire un réseau de jeunes efficaces, leaders d'Afrique. Une initiative du département américain baptisée Young African Leaders Initiative, lancée en 2010 par le président Barack Obama. C'est une initiative que l'association Alumni Yali Gabon a initiée pour pouvoir donner à la jeunesse les outils nécessaires pour être des véritables acteurs du changement. Parce que nous avons constaté que beaucoup des jeunes se livrent à des stupéfiants. Alors que lorsqu'ils sont réunis et bien formés par certains spécialistes, ils essaient de s'améliorer dans certaines choses. Durant 4 jours, différentes tables rondes, sujets de discussion et ateliers de formation permettront aux panélistes de contribuer à la construction et l'affermissement de nouvelles mentalités pour une jeunesse responsable au Gabon. Le but étant d'éradiquer la dépravation qui sévit au sein de cette frange de la population du pays. Le premier panel abordera des problèmes d'éthique et d'ontologie, deux facteurs importants pour un service public performant. Le deuxième panel traitera des questions du rôle de l'entreprise dans notre pays. Le troisième panel abordera les problèmes de société civile, le rôle de la société civile dans notre pays. Et enfin, le dernier panel, il s'agira de la thématique moralisation, vie publique et démocratie. Dans la perspective d'accueillir des centaines de jeunes de divers profils chaque année, le Moulébi a pour vocation d'être un véritable laboratoire de conception d'idées et de solutions pratiques pour le développement efficient de la nation.